That guy who just a figure of a problem raised a gun and a finger on a trigger can be dangerous at some round, but the problems solved much better by keeping calm and cool. My horse and me keep riding, I ain't nobody's fool. Une chose est sûre, c'est que j'irai pas à la Starac. Salut tout le monde et bienvenue, c'est Scarecrow. Quoi que de plus sympa que de faire un bond dans le temps et que de jouer à un titre dans lequel on pouvait incarner un de nos héros d'enfance. Tard dans la nuit, ou même à 6h du mat, dormir me diront beaucoup, logique, mais certainement moins prenant. Scarecrow Télévision se pique aujourd'hui pourtant à Lucky Luke sur Super Nintendo, car je suis un de ces derniers représentants qui glorifie l'époque pionnière. Ne m'en voulez pas, je suis un insomniaque. Le jeu vidéo et la lecture sont l'échiquier qui me permettent de prendre du plaisir, d'y trouver des significations, du sens, mais pas toujours du bon sens. Hein. C'est pour cette raison que je souhaite aussi dégainer, hein, tel le cow-boy de la multidiversité. Alors pourquoi Lucky Luke? Tout d'abord, parce que le cow-boy solitaire est tout simplement avec Zorro le symbole de mon enfance. Hein, je n'avais pas eu le loisir de jouer à l'adaptation du jeu vidéo sorti en 1997 sur Super Nintendo. Je suivais les aventures de l'Ouest hein, uniquement, comme beaucoup, par le biais de la célèbre bande dessinée. Hein. Et donc l'Eldorado arrive des années plus tard. Alors le jeu, qu'en est-il? Moi déjà, je suis séduit par ce côté BD, hein, parce que j'aime beaucoup le dessin. Parce que j'aime beaucoup le dessin papier déjà, et je trouve eh bien, que le dessin ici est plutôt réussi, fun, fidèle, bien animé, qu'il a été développé et édité par Infogrames, une firme qui, à l'époque justement, s'était spécialisée dans l'adaptation en jeux vidéo des bandes dessinées telles que Astérix, Tintin, Les Schtroumpfs aussi je crois, et bien d'autres, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est un jeu que j'ai trouvé en bon état. Hein, et je n'y ai pas beaucoup joué encore, donc je vais arrêter de tirer avec des balles à blanc hein, et de faire ce let's play entièrement, n'est-ce pas, Rantanplan. Donc pour ce qui est du résumé, donc là j'ai le manuel sous les yeux. Lucky Luke croit enfin avoir débarrassé le Far West des terribles Dalton. Il l'est connu au pénitencier de Penful Gulch et il semble qu'ils n'en réchapperont pas avant de longues années. Le cow-boy solitaire peut tranquillement se retirer vers le soleil couchant en sifflotant son air préféré. Mais patatras, ses espoirs sont anéantis par la nouvelle qui court. Profitant d'une grâce présidentielle, les Dalton ont été libérés. Et les voilà déjà en train de commettre leur premier forfait d'homme libre en dévalisant la banque la plus proche après avoir délicatement assommé le directeur. Plus une minute à perdre, il faut remettre les plus dangereux bandits du Far West à l'ombre avant qu'ils ne continuent de semer la panique sur leur passage. Donc vous l'aurez compris, Lucky Luke sur Super Nintendo est un jeu de plateforme, hein, est un jeu d'aventure. À même titre donc comme Astérix, Astérix et Obélix et bien d'autres. Hein. Donc le menu basique, simple, hein, comme ils étaient faits autrefois. Donc le niveau difficulté, je pense que je vais rester en easy. Parce que les difficultés justement de ces vieux jeux étaient telles que, eh bien, on s'arrachait les cheveux et on poussait des crises vraiment assez inquiétantes si un temps soit un peu on a des voisins qui sont assez proches. Donc je vais rester en facile. La musique, eh bien, elle va rester par défaut avec les paramètres qu'elle a. Je vais pas toucher. Je ne vais pas toucher les paramètres, la configuration. Et c'est parti donc pour ce Lucky Luke, ce let's play. Donc je découvre le jeu, hein. J'y avais joué il y a pas mal de temps, mais j'avais fait vraiment que les premiers niveaux. Les Dalton sont à Yuma, ils ont pillé la banque et le délista sème la panique dans la ville. Ouais, je file à Yuma, je vais arrêter ces maudits Dalton. Donc j'imagine que que ce jeu va rester assez fidèle par rapport au BD, ce qui est plutôt bien. Alors je ne sais pas si les balles sont infinies ou pas. La touche B pour sauter, en appuyant en bas, le cow-boy s'accroupit. Ensuite, X c'est pour tirer, ouais, et bien effectivement on a des balles, j'ai l'impression. Y c'est rien, et pour courir il faut maintenir Y, voilà c'est ça. Ah, et puis là on prend forcément les munitions. D'accord, on récupère les... Alors ok, ça fait du bien de refaire un petit retour sur Super Nintendo, j'avoue. Par contre je ne sais pas s'il y a possibilité de monter. Ok, alors je sais que le cow-boy... Oh ouais. Genre il peut faire une... Vous voyez comme ça peut vraiment faire les techniques qui l'ont rendu si célèbre. C'est-à-dire qu'il peut tirer en arrière, il peut tirer en haut, il peut tirer en bas. Enfin il y a toute une multitude de choses assez sympathiques, assez fidèles justement à l'univers de Lucky Luke. D'accord. Bon, alors pour faire tomber ça maintenant, ça va être une histoire. Ah d'accord, très bien. Ok, super. Oh là, ouais, super. Ok, donc on subit quand même pas mal de dégâts. Ça c'est fun. Je sais pas comment on fait pour tirer en arrière. Je sais que... Ah voilà, j'étais arrivé là. Là j'ai plus de... Ouais. Là j'ai fait l'idiot là. Aidez-nous monsieur Luc. Seulement j'ai plus de munitions. Donc je sais pas si on peut y aller là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut revenir? Ah d'accord. Ah ouais, c'est cool ça. D'accord. Ok, très bien. Ah d'accord, j'ai posé la dynamite. Ok, sur le pont. Donc ça, je m'en étais rappelé. Encore heureux. Ok. D'accord. Par contre, j'ai plus de munitions là. Je sais pas comment je vais faire. Merci de m'avoir délivré, monsieur Luc. Soyez prudents car les Dalton ont plus d'un tour dans leur sac. D'accord. Alors là, visiblement, on peut aussi venir ici. Juste au-dessus, là, il y a un puits. D'accord. Là, j'imagine qu'il faut sauter, non? Ouais. Et ensuite? D'accord. Mais ici? Ah oui, le cheval nous met un coup de sabot, forcément. D'accord, et là c'est la suite du niveau, d'accord. Par contre c'est pas cool parce que j'ai plus de flingue. Wow, wow, wow. Ok, très bien. Affrontez ces bandits mais ne tirez pas avant mon signal. Ah, il faut tirer sur ceux d'en eux aussi. D'accord. Oh les mains, cow-boy. Oh, qui c'est qui m'a shooté là? Tiens, donne-moi ça. Un barillet de plus. D'accord, cow-boy. C'est bien. Ah, deux là cette fois-ci. Bien, deux barillets trouvés. À un moment donné, ça pop à deux endroits différents. Je sais pas trop, ouais, des fois... Attention au cheval, là. C'est pas par là qu'il faut passer. Ouais, alors... il fallait rester... Ah ouais, voilà. Il fallait sauter sur l'oiseau. Voilà. Ici. Et comme ceci, ici. Voilà, très bien. Ah oui, voilà, il fallait rentrer dans le chariot, en fait. Et j'ai trouvé quelque chose. Alors, je sais pas trop ce que j'ai ramassé. Ah, il y a un passage secret. D'accord. Oh là, mais c'est truffé de passages secrets, ce machin, là. C'est assez curieux. Il fallait re-sauver le gars, je pense, dans le puits. Ok, vachement fun. Allez, go. Voilà, on le re-sauve. Bien. Hop là. Super. D'accord. Donc là on vient ici. On revient là. Ensuite la suite du stage. D'accord. Ok. Bon, je suis censé être Lucky Luke. J'arrive à mon premier duel, mais je ne maîtrise pas tout à fait encore le colt à 6 coups. Comme dans la BD, ici la réputation du cow-boy le précède aussi. Et les Dalton ne sont pas les seuls à nous en vouloir. Qu'ils soient planqués ou non, les truands mettent à l'épreuve la capacité de tirer à la gâchette, mais l'habileté n'est pas toujours obligatoire, une fois que l'on connaît bien où se tiennent les bandits. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord. Oh, t'es un Lucky Luke ou pas, hein? Ok. C'était pas terrible là, hein, ça allait un peu trop vite. Ah donc une étoile de shérif c'est 2 énergies, d'accord. Une tête de Lucky Luke, donc cowboy c'est 1 vie. Le barillet c'est 4 balles, 4 barillets, d'accord. Et les puces, le symbole de la dynamite, d'accord. Mutinerie au pénitencier. D'accord, donc pour le stage 2... Le stage 2, on se dirige vers le pénitencier, d'accord. La mutinerie au pénitencier, très bien. Donc là, c'est la fin de notre tranquillité, cow-boy. Maudit Dalton, ils sont dans le pénitencier. De Gasper Ghost Town, il faut reprendre la route jolie. Ne me secoue pas trop. J'ai découvert un Lucky Luke coloré, une maniabilité moyenne, plutôt difficile cependant, mais ce qui m'a donc plu, eh bien, c'est cette restitution du Far West, hein, et de l'attention envers la BD de Maurice, ce qui en soi a suffi pour m'immerger et laisser de sérieuses empreintes sur la manette. Je me mis à remarquer alors sur le portrait de Lucky Luke en haut à gauche sur le panneau de la cigarette semble être remplacée par un fétu de paille. Détail insignifiant dirons-nous, on va pas chipoter, mais la censure ne date pas d'hier, on le sait. Les étages ici dans le pénitencier infligent au cow-boy de devoir se suspendre pour pouvoir avancer. Il aura fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour pouvoir grimper, car à 1 ou 2 pixels près, ben, on reste sur le palier. Après plusieurs minutes de découverte, clairsemée de quelques grincements de dents, on comprend sans trop de peine qu'il faut trouver les clés pour ouvrir les géoles tout en esquivant ou plombant les affreux drapés de leurs pyjamas rayés. Jusqu'à maintenant, celui qui Luke n'est ni plus ni moins qu'une partie de cache-cache. Le repop est un rouage du jeu bien évidemment énervant, mais bon, il faut se débrouiller au mieux. Mon seul avantage jusqu'ici, c'est que je n'avais pas eu encore de game over. C'est donc droit dans mes bottes, avec enthousiasme, que je partais à la recherche de Rantanplan, qui détenait la clé du cabanon de la poudrière. Non, ça ne fait pas ouvrir la porte, ça. On est bien d'accord. Et donc, passez ce chien, je le cherche partout. Au passage, on trouve des boulets qu'il faut faire tomber dans des canalisations pour pouvoir continuer le cheminement, sinon on déambule sans fin dans le pénitencier. Le souci, c'est qu'évidemment, certains tuyaux sont pétés et qu'il faut trouver les raccords permettant de résoudre ce problème. Lucky Luke escalada encore les sombres recoins du pénitencier de Gasper Ghost Town, et pendant qu'il faisait une réparation de fortune, je m'abreuvais de quelques lampées de café. Je l'imaginais s'essuyer quelques gouttes de sueur de son front et remettant son chapeau en place. Les murs sont d'un triste gris, les couloirs sont le reflet de leurs sombres résidents. Je ne sais pas si vous avez lu quelques aventures de ce cow-boy. On pourrait penser qu'il menait une existence désolante. C'est sans nul doute à cause de Calamity Jane. Bref, certains contextes ont leur propre raison. Passant sur le chemin de ronde, Lucky fait péter un mur à l'aide d'un canon de l'époque pionnière. C'est alors que je me demandais aussi s'il avait déjà fait de la tôle. Bizarre. J'ai pas souvenir l'avoir vu dans un de ses albums. Pendant que je méditais à cela, je parvins naturellement à trouver Rantanplan et à laisser Gasper Ghost Town derrière moi. Ah, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. J'ai appuyé sur tous les boutons. Oh, c'est yosh, hein. Faut esquiver les bottes de foin et les bombes. Aïe, là, ça je l'ai pris par contre. C'est la poursuite là. Game over, 16% du jeu effectué. C'est vachement dur, donc j'imagine que je vais recommencer à ce niveau-là. Essayez de ne pas trop me faire toucher. C'est les Dalton qui sont devant. Alors, je me suis fait toucher par la botte de foin. Les rochers, il faut rien prendre là. Ni la dynamite, ni la botte de foin. Et ni le rocher qui déboule on ne sait où en fait, hein, tout simplement. Il faut vraiment la jouer cow-boy quoi. Ah voilà, bon, celui-là je l'ai pris en pleine face. Bon. Allez, en avant Jolly Jumper. Il me faudrait peut-être... Ouh, ça a été chaud là. Il faudrait qu'il m'envoie une étoile de shérif pour que je reprenne un peu de vie je pense. C'est passé. Joe, Jack, William, Avrel. Le saloon de Coyote Gulch. D'accord. C'est pas mal quand même, hein. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que l'esprit est assez bien restitué. C'est assez sympathique. Le saloon de Coyote Gulch. On dit que Fingers hante le saloon de Coyote Gulch. Et qui lançait beaucoup sur les Dalton. Il va falloir l'affronter, monsieur Luke. Il paraît qu'il aime beaucoup la musique. Tiens donc. Je vais le faire danser. Ouf! Alors d'emblée de jeu, on prend un truc dans la tronche. Alors ça, c'est pas trop cool. Il me restait... Et en fait, t'enchaînes le niveau avec déjà la vie que tu as... morflé auparavant dans le niveau du canyon quoi. T'es obligé de le prendre hein, ce couteau là. C'est un peu abusé ça. Alors le piano, ok. Donc les sacs, je vais pas y toucher pour le moment. Je vais d'abord tracer tout droit, voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est ça, une boîte à musique? Ou non, une machine à sous peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh, mais c'est chaud ce niveau là, qu'est-ce que c'est ce... Oh là 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 là, ça va être compliqué, je sens que ça va être galère. C'est pas vrai ça. Alors, obligé lui, obligé de prendre le cocktail quoi. C'est dingue. Ouais, j'imagine il faut pas tomber dans les trous. Ah, la suite. Bah ta musique. Alors le bison, la tête du bison qui jette, c'est un peu trollé ça, des trucs sur la... Voilà, donc lui je l'ai pris, on est d'accord. Voilà, donne-moi un barillet. Super, une vie ici. Alors ça c'est cool, on va pouvoir regain à chaque fois. Ce que je vais faire c'est que je vais revenir. Je vais essayer les trous quand même. Fais-moi le barillet. Avec ses yeux, jette le couteau. Jette-le. Waouh! Waouh, waouh! Alors on va tomber. Ah, mais c'est parce qu'il y a une cave en dessous, il y a quelque chose. D'accord, ok. Donc ça c'est. Oh oui, c'est ça, il faut avoir des réflexes. Qu'est-ce que c'est ça là-haut là? Je sais pas ce que c'est, à chaque fois on dirait qu'il y a une pièce en détonnant là, je sais pas trop ce que c'est. Ouf, ok. On tombe encore ici. Est-ce que quand on appuie, quand on baisse et quand on appuie sur un B, il ne tombe pas, non, de la plateforme? Non, visiblement non. D'accord. Ça a été chaud là. Alors le fantôme ici, alors il nous fait rien. Il a peur de nous toucher. On trouve une clé. Voilà, on trouve la clé ici. On trouve une clé. À quoi sert donc cette clé? Oh, attention la balle. Je sais pas trop à quoi sert ça. Oula. Ouh, on sait pas trop qui c'est qui a tiré là aussi. J'ai vu personne personnellement. On va venir ici. Je vais venir ici. Est-ce qu'il faut venir? Par où on sort ce truc là? Si, aïe, si je tirais sur ça là-haut. Heureusement que ça touche pas là. Et hein, ça c'est même pas une pièce, c'est rien du tout. Filer des trucs là quand même, hein, les types qu'on descend dans les barils là. Ils pourraient nous filer, je sais pas, un barillet ou une étoile de shérif pour reprendre de la santé. Oh la vache! C'est pas possible. Je sais pas à quoi ça sert ces sacs là-haut là, et puis ces boîtes ouvertes. J'imagine que c'est après lorsqu'on va affronter le fantôme de Gulch là. Waouh! Waouh! Je vais y rester. Je vais y rester. Ah c'est cool ça. Alors quand on appuie en haut on peut aller monter sur l'escalier. Et quand on reste... D'accord, et quand on va tout droit on peut monter. Ça c'est cool. Oh, comme il descend des marches. Comme il court dans les marches en descendant, c'est trop classe. Elle est super l'animation de Lucky Luke je trouve. Hein. Je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Hein. Alors ici, un interrupteur. Que faisons-nous avec cet interrupteur? J'imagine qu'on se met dessus. Je sais pas, on tire du... Ouais. Ça l'a baissé, ouais, visiblement. Ah, ça fait venir un lustre, là. Non? Sur la gauche, là. Faut voir. Ah, ouais, cool. D'accord, ok, super. Oh, là, attention. Un forban. Ici. Ok, là, ça va là. Même chose pour ici. J'imagine qu'il va y avoir... Ah, oh, bison. Oh, je déteste ces trucs, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein. Je sais même pas s'il y a moyen de les tuer ces trucs ou pas. Ouais, il a pas l'air de nous blesser lui, tant mieux, remarque. Ok, donc là j'ai ouvert le grenier, j'ai ouvert le cadenas pour accéder au grenier du saloon. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Un bison. Ok, peut-être... Oh, mais c'est pas vrai Oh, ça va être dur. Bon, à chaque fois, heureusement que je reprends la vie. Heureusement qu'à chaque fois, je reprends la vie, parce que... Ouais, voilà, lui, il faut le dessouder avant d'apparaître. Donc, en fait, le truc de ces jeux d'avant, aussi, sur Super Nintendo, c'est que malheureusement, il faut les connaître par cœur pour vraiment bien réussir, bien faire, et pas se faire dessouder en deux-deux, quoi. C'est ça, le problème, aussi. C'était ça, la difficulté, aussi. Il fallait les connaître quasiment par cœur. J'imagine qu'à force de les faire, c'est sûr qu'on les connaît. Mais quand on reprend le jeu en main... Et voilà, donc là je me suis fait toucher bien évidemment. Ok, un baril de plus. Alors j'imagine qu'il va falloir que j'aille rechercher la clé. Bah je présume. Tu présumes bien mon gars. On va retourner en bas. Ok, un petit baril. Le bison, hop, envoie ta merde. Hop, ta double esquive. Je redescends en bas vite fait, chercher la clé. D'accord. Tac. Allez, vite, on se dépêche. On se dépêche. On fait un speedrun. Oh, je l'ai eu. Super. La clé, elle est vraiment à l'opposé du grenier. L'opposé dans la cave, quoi. C'est vraiment ça aussi. Une bien bonne entourloupe, si je peux dire. Bah oui, mais bon, il fallait faire ça, sinon quel était l'intérêt aussi d'avoir tout apporté, hein. Fallait bien faire de la difficulté pour aller chercher les... Voilà, esquive de balles. Lucky Luke, l'homme qui court plus vite que les balles. Ah, il a tiré sur le fantôme. Ah, j'avais jamais fait gaffe, ça, qu'on pouvait le faire. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est... Ah, c'est cool, ça. Enfin, bon, c'est cool. Je me comprends. Hein. Il va être assez difficile, ce niveau, je pense. Hop là. Hop là. Super, le saloon. Filez-moi une étoile de shérif là. Il me faudrait ça si... Oh non, je tombe. Aïe aïe. Attention. Oh là là. Ça c'est... Maintenant. Ah non, trop tard. Maintenant. Yes. Ok. D'accord. Là, je crois qu'il y a un bison qui jette je sais pas trop quoi. Ok. Là, il n'y a rien. Il y a le fantôme. On va monter. Hop. Ok, ici. On va aller chercher là-bas le barillet. Voilà. Ah, bah je l'ai sonné. Bah, tant mieux. Ok, ici. Qu'est-ce qu'on vient faire? Oh, j'ai trouvé une partition. C'est la partition pour la musique en bas, j'imagine. Ok, ça marche. D'accord, attention, le bison qui est ici. Oh! Wow! J'aime pas ça. Ok, je reviens ici. Alors là, je pense qu'on va affronter le boss. Comment l'affronter? C'est ça le problème. Il va enlever. Oh, ah, il jette un couteau. Ah, il jette un couteau lui aussi. Maman, ça va être chaud. Je sens que ça va être difficile ce niveau. Ça va être très difficile de le passer, de le faire. Surtout si à chaque fois j'enregistre pas les mécaniques. Pourtant c'est très... Au bout d'un moment quand même on est censé... Ah non, j'ai oublié la vie. Je vais la chercher. Faut d'abord aller chercher la vie. C'est dangereux ce que je fais là. Et oui. Ah bah tiens, il y a encore le barillet qui est revenu, dis donc. Oh là là, il est dur. Il est vachement dur ce jeu. Allez. Hop là. Hop là. Hop là. Ah purée. C'est pas vrai. Bon allez, redonne-moi ma vie là. Hop, donc il va falloir redescendre en bas. Je l'ai tué ou pas lui? Je suis même pas sûr. Oh purée. Faut plus que je me fasse toucher, ça va être chaud. Cool. Bon allez, on va chercher la clé. La clé. Esquive de balles. Je me demande comment on pourra... Comment je peux le passer, ça, je sais pas trop, en fait. C'est vraiment... Comment le tuer, ce boss, là? Ce fantôme. Ah, purée, je suis vraiment nul, hein. Je me prends la balle. Allez, filez-moi quelque chose, je sais pas, moi. Il me faudrait une étoile de shérif. Il me faudrait une étoile de shérif, s'il vous plaît. Je sens que je vais encore faire une gaffe. Oh. Il file que des barillets, hein. Il file même pas de... Ok. C'est chaud quand même. Allez, barillet. D'accord. Et ici. Par la suite là. Waouh! J'aime pas ça franchement. Là, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Bon. C'est pas très cool ça. Là, un barillet, c'est même pas une... Ah bah tiens, la santé, ouais, ah, c'est sur les bisons peut-être qu'on obtient la santé, je sais pas. Voilà ça. Je viens chercher la partition ici, très bien. Je savais qu'il y en avait un qui se planquait quelque part là, dans le grenier, mais je me souvenais plus trop en fait. Ok. Ici, le bison. Ah, je le prends plein dans la face. Ah, je suis tombé! Le saloon de Coyote Gulch va s'avérer être la première difficulté du jeu. Imaginez un endroit dans lequel vos nerfs vont commencer à être mis à rude épreuve. Le truc est de savoir si 1. On opte pour le run et on tente d'esquiver le tout sans aucune forme de procès, ou 2. On la joue cowboy parce que quoi, on est quand même Lucky Luke un peu, non? Qu'à cela ne tienne, même si le bout du pouce commence à devenir blanc, cadeau de la croix multidirectionnelle, j'entreprends le niveau de toute ma ferveur de gamer. Salut à toi l'étranger. Qu'est-ce que je te sers? Bah un simple verre de rhum aurait suffi, hein. Comme ça le saloon est hanté, cette blague. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Un bien joli décor cependant. Tout d'abord, je me fais harponner par un level design original. C'est pas tous les jours qu'une tête de bison sur un mur me surine au passage. Outre cette rocambolesque mésaventure, c'est dans ce stage que l'on a bien la confirmation que tout ne se jouera pas de manière linéaire. Un vrai soulagement, je me suis senti beaucoup mieux. C'est vrai parce que descendre dans le cellier ou monter dans le grenier, il n'y a que ces endroits-là pour trouver un fantôme. C'est une règle qui n'est pas que dans les romans, plusieurs tentatives infructueuses vont être nécessaires, donc cela ne fait aucun doute. On soulignera aussi qu'après Jolly Jumper, le croque-mort et Rantanplan, Fingers est le quatrième personnage que l'on peut retrouver également dans les BD. Faudrait un barillet peut-être. Ça y est, je crois que je l'ai eu. Non? Ouais! L'union est passée. Ah, en fait, c'était pas si compliqué que ça. D'accord. Donc, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Je sais pas combien il y a de niveaux dans ce jeu. Je suis pas allé voir. Je suis vraiment pas renseigné nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, Fingers? S'est évanoui dans la nature, il n'a rien dit. Sur les Dalton, ne t'inquiète pas, cette lettre dit qu'ils ont trouvé refuge dans une mine à quelques miles d'ici. Ok, prépare-toi et on repart.